encore une fois. Ça c'est Isipov. Et Duras. Ah, attention, il y a un 2. Oh, c'était magnifiquement joué ça. Il y avait un 2 contre 1. Il était tout seul. Eh oui. Eh oui, Duras qui fait mine de shooter, mais qui fait la petite passe. Eh oui. Ouais, et ouais, l'ouverture du score pour les Strasbourgeois. C'est ce qu'on craignait. Encore devant la cage. De Milanouric, encore une fois. Shoot de Damien Rowe. Et encore une fois, shoot. Attention ! Et oui, non, non, non ! Et le but ! Allez, 5 secondes encore. Et ça y est. Et but ! Et but de Damien Rowe. Donc voilà. Strasbourg est donc en supériorité numérique. Allez, il reste 10 minutes dans ce match. Oh, le palais jouable, et il y a but ! Non. Non, monsieur l'arbitre demande. Monsieur l'arbitre demande à. Ah ouais, il y a quelqu'un dans le slot. Ils Ils sont en train de discuter. Ils mettent la main devant la bouche hein, pour que personne ne voit ce qui se raconte. Derrière la cage. C'est... Attention au contre, attention. Il va y avoir un 2 contre 1. Faut si patiner. On ne revient pas. Oui, allez. Et but, et magnifique but. Splendide but. Et ben voilà. Bologar qui libère les Strasbourgeois. 1 minute 30, pardon. Et voilà, Logar, comme je présentais, hein, libérateur de son équipe. Côté de Mulhouse. Roland Vigneres. Voilà. C'est Roli. C'est bien ça, c'est Vigneres. Les épaules tombantes parce que je pense que ça lui satisfait.